située à plus de 500 km de la capitale, au nord des îles Pomtu, se trouve la 5 îles du roi Georges, Ahe, Manhi, Takarua, Takapoto, ainsi que l'île inhabitée de Tikei. Sur place, loin de tout, les habitants vivent essentiellement des richesses de la terre et de la mer. Dans le village de Takapoto se trouve la seule école primaire de l'atoll, Temaramarama, que l'on peut traduire par la clarté. Avec ses 50 élèves et ses 3 instituteurs, l'ambiance y est très conviviale et familiale. Dans cet établissement scolaire, les jeunes ont tout pour réussir. C'est le nom de la terre où est implantée l'école. Donc, suite au comité des sages de l'époque, ils ont voulu valoriser cette terre et mettre le nom de Temaramarama sur l'école de Takapoto. Donc, c'était un peu la première classe. Et donc, ici, le grand terrain était donc la grande cour de l'école de l'époque. Construit en 1920 par la population de l'île, le vieux phare de Takapoto servait autrefois aux navigateurs pour repérer l'atoll dans la nuit. Aujourd'hui, le quai peut accueillir les 3 navires de ravitaillement, le Maristella, le Taporo et le Marevanui. Lorsqu'une goélette arrive, tous les habitants de l'atoll sont au rendez-vous. Sur cet atoll, on recense la présence de 6 religions. L'église catholique de la paroisse Saint-Louis de Gonzague a été construite en 1857. C'est l'un des édifices religieux les plus anciens de l'atoll. Takapoto est aussi connu pour ses marais. L'un d'entre eux s'appelle Hikurangi. À 17h, tous les sportifs se retrouvent sur les terrains de foot ou sur les plans d'eau. Un moment toujours apprécié. Une heure de rame et 2 heures de football, les habitants font tout pour rester en forme. Dans cet atoll, le quotidien des habitants est rythmé par le son des vagues qui se brisent sur le récif. Ici, les villageois de Takapoto mènent une vie paisible et authentique, très loin de l'agitation de Tahiti.